avec retenue pour deux chiffres. Je ne vais pas faire deux et trois chiffres, ça va être trop compliqué. Donc là, on va bien se concentrer. Quand quelque chose est difficile, on se concentre. On y va. 72 moins 33. On voit bien que on parle de soustraction. On enlève quelque chose. Voilà, je vais enlever également Bernard l'Enchanteur. Alors, 2 moins 3. Alors, est-ce que 2 moins 3, ça va? Si j'ai 2 pommes et que j'en enlève 3, ça ne va pas. Donc, on se pose une question. 2 moins 3, ça ne va pas. Que va-t-on faire? Eh bien, on va aller chercher quelque chose supplémentaire chez le voisin d'à côté qui est le 7. Donc, en fait, on va barrer le 7 et on va mettre un 6. Pourquoi? Parce qu'on va lui prendre quelque chose. D'accord? Et on voit que c'est des dizaines. Donc, en fait, on va lui prendre une dizaine. OK? Donc, on lui prend une dizaine. Donc, on va rajouter 10 au-dessus du 2. D'accord? Donc là, on n'a plus 2, on a 12. Ça forme une entité. 12 moins 3, on descend l'escalier. 12, 9, voilà. 12, pardon. 11, 10 et 9. On reprend les petits points. 9. Et là, on a 6 moins 3 et ça fait bien 3. Le résultat est 39. 72 moins 33 égale 39. Et maintenant, on va voir si c'est juste. On va rajouter notre 33. 33. Et ça fait 9, 10, 11, 12. On met le 2. On rajoute le petit 1. Et ça fait 3, 6, 7. Donc, le résultat du départ et de la finalité est le même. On va refaire un autre exemple. Revoyez, revoyez. À partir du moment où vous allez revoir, ça va être OK. Vous n'aurez plus de problème. 2 moins 4. Si j'ai 2 pommes, est-ce que je peux en enlever 4? Ce n'est pas possible. J'ai 2 pommes dans mon panier. Si on me demande d'en enlever 4, ce n'est pas possible. Donc, si ce n'est pas possible, hop, je réfléchis autrement. Je me dis, si je ne peux pas enlever 2 dans 4, je vais aller chercher quelque chose chez le 4, c'est-à-dire une dizaine. Donc, il ne me restera que 3 dizaines. Mes petites dizaines, je vais les mettre ici et je vais également avoir 12. 12 moins 4, on fait 12, 11, 10, 9 et 8. Ma réponse est 8. Et on fait 3 moins 3. 3 moins 3 est égal à hop, 0. Et ma réponse est 8. Je regarde si j'ai raison. 34 plus 0, 8. 8, 9, 10, 11, 12, je mets mon 2, 1, 1 plus 3, 4. Ma réponse d'origine et finale est la même. Exercez-vous, exercez-vous. Vous prenez des exercices, vous regardez bien ce que j'ai fait, vous allez voir, vous allez y arriver. J'y suis arrivée quand j'étais petite, vous y arriverez aussi. Allez, ciao, bon courage. Bonjour. Alors, soustraction sans retenue. Alors, dans les premières leçons, on a vu les additions. On a un sac à dos, on a quelque chose dedans, on met quelque chose en plus. Soustraction, ça veut dire on va enlever quelque chose du sac à dos. On va retirer. Et on va faire la même chose dans les calculs. D'accord? En fait, les mathématiques, c'est un peu abstrait. Donc, vous devez bien vous imaginer des images. Donc, on va commencer. On va commencer d'abord simplement par un chiffre. Alors, pour le 1 chiffre, on va faire 7 moins 4. Première chose qu'on se dit, c'est qu'on va regarder le signe. C'est un moins. Alors, vous ferez moins d'erreurs si, dès le départ, si vous avez votre feuille, vous voyez moins, plus, etc. Donc là, c'est du moins. On va enlever moins, c'est clair. Alors, 7 moins 4, qu'est-ce qui va se passer? On va faire la même chose qu'avec l'addition, reviser vos additions. 4, c'est 4 points. Donc, en fait, là, on va descendre l'escalier. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez 7, 6, 5, 4, 3. D'accord? On descend l'escalier. 7 moins 4, ça va faire 6, 5, 4 et 3. Voilà. Et on a notre chiffre 3. Alors, une petite astuce. Si on veut savoir si la réponse est bonne, alors prenez le temps de le faire. Quand vous avez votre 3, vous vous dites, ah, mais... J'ai enlevé 3 à 7, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait?
Eh bien, vous faites simplement 3 plus 4 et vous avez le 7. Si votre départ est le même qu'à l'arrivée, vous avez une réponse qui est juste. Allez, on va prendre une petite éponge. Elle est ici. Je reviens. Voilà. Je reviens. Voilà. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous voyez, déjà, le tableau s'use à une vitesse. Alors là, on a fait avec les unités. OK ? Là, on va faire avec les dizaines. Donc, on va faire une opération avec deux chiffres. On va faire 66 moins 31. Donc, première chose à faire, on signale qu'on a un moins. On est dans la soustraction. On commence toujours par la droite. 6 moins 1, on descend l'escalier. 6 moins 1, ça fait 5. 6 moins 3, on descend l'escalier. 6, 5, 4, 3. Les 3 points sont là. D'accord ? Donc, la réponse est 35. On va voir si j'ai raison. 35 plus 31 est égal à 66. Mon départ et mon arrivée sont les mêmes. Alors, encore un petit exercice avec une opération à 3 chiffres. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une opération à 3 chiffres. Je vais prendre un exemple. 845. Donc là, on est bien dans la centaine, la dizaine et l'unité. Moins, alors, 800, moins 304. Moins 304. OK ? Alors, c'est très simple. On y va. On part de la droite. On a vu que c'était moins. 5, on descend l'escalier à 4. Il reste 1. 4 moins 0, c'est 4. On n'enlève rien. Et enfin, 8 moins 3, on descend, 8, 7, 6, 5, on descend. Voilà. Donc, j'ai le résultat de 541. 541 plus 304, on va voir si ma réponse est exacte. 4, 5, 4, 0, ça fait 4. Et 5, on fait notre petit exercice, 5, 6. Bonjour. Alors, afin de bien préparer vos additions, vos soustractions, vos divisions ou vos multiplications, vous devez d'abord connaître la place des chiffres. C'est-à-dire que vous avez des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Alors, quand on parle d'unités, eh bien, c'est un exemple le 1 ou le 5 ou le 6. Dans une addition, souvent, on les additionne, les unités. Quand on parle de dizaines, on passe à un rang supérieur, c'est-à-dire que vous avez deux chiffres. Vous avez ici, à droite, l'unité de ce lieu-là, et vous avez la dizaine. Donc la dizaine, il y en a deux. L'unité, il y a un chiffre. Les centaines, il y en a trois. C'est-à-dire, on va prendre 425. 425, on entend 425. Déjà, dans le mot, 400, on est dans les centaines. Quand on est dans 34, on est dans les dizaines. Et enfin, les milliers, ça va être 1111. Voilà. Donc, unité, il y en a un, dizaine, il y a deux chiffres, centaine, il y en a trois, et dans les milliers, il y en a quatre. Bon, j'essaye de vous aider au mieux pour que ce soit bien dans votre esprit pour après, d'accord? Alors, si par exemple j'ai 45, eh bien, ici, il y a l'unité, le 5, et le 4 est une dizaine. Vous pouvez donc très très bien, dans votre tête, faire un petit schéma comme ça. Parce qu'après, vous allez devoir les additionner. Alors, 425, on va faire un autre plan. On va faire les centaines, les dizaines et les unités. On commence toujours par la droite. C'est un principe. Le 5, on va le mettre là. Le 2, on va le mettre là. Et le 4, on va le mettre là. OK ?
Hop, hop. Hop, hop. Unité, dizaine, centaine. Et en fait, pour les milliers, eh bien, c'est très simple. On va faire trois colonnes. On va mettre milliers, centaines, dizaines et unités. Et on va les placer de nouveau de droite à gauche. 1, 1, 1 et 1. Alors, pourquoi je vous explique cela? Je vais prendre une grille de couleur. Eh bien, c'est bien simple. Quand on va faire des additions, on va devoir additionner parfois des dizaines avec des centaines, des milliers. Donc, on va savoir où les placer. On va prendre un exemple. Si le professeur vous demande, voilà, si le professeur vous demande de additionner 345 plus 27, voilà, on va faire 27, ok? Eh bien, on voit ici qu'on est dans les centaines, dizaines et unités. On va mettre le 345, on commence par la droite, 345. Donc, il y a 5 unités, 4 dizaines et 3 centaines, plus 27. Et c'est pour ça que je vous dis où le placer. Eh bien, 27, on est dans les dizaines et les unités. Donc, on va le mettre là. Voilà. Et là, on va calculer, comme je l'ai toujours appris, 7, on fait nos petits points. 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire 7, 8, 9, 10, 11, 12. On place le 2, on retient un petit 1, 4, 5, 6, 7, et on a en centaine 3. Donc le résultat est 372. J'espère que ce petit tableau vous a aidé entre unités, dizaines, centaines et milliers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonjour. Alors, addition avec trois nombres. Nom 1 qui fait l'unité, 2 qui fait les dizaines et 3 qui fait les centaines. Donc, nous allons travailler avec les centaines. Je prends un exemple tout simple. 562. On prend la couleur. Plus 625. Alors, quand le professeur va vous poser cette question, il se peut qu'elle le mette sous forme horizontale. 562 plus 625 égale. Ok? On additionne deux choses. À vous de faire une opération verticale. Quels sont les points premiers? Nous savons que nous sommes dans l'addition. Donc, on ajoute quelque chose à quelque chose. On porte quelque chose en plus dans son sac à dos. Et on commence toujours par la droite. 5 plus 2. 5, 6 et 7. Très facile. 7, 6 et 2. On part du plus grand, 6, 7, 8. Et enfin, 5 et 6, que va-t-on faire? On prend le 6, on rajoute les petits points au 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons notre réponse qui est de 1187. On va reprendre un exemple à trois nombres. 712 plus, je vous tourne beaucoup le dos aujourd'hui, je vois, mais je vais faire autrement, plus 306. Alors, on réfléchit, on se laisse un instant, que va-t-on faire? 6, 7, 8, hop, 1 plus 0, on sait que le 0 c'est rien, donc ça va faire 1. Et on arrive dans les centaines ici, qui vont faire 7, 8, 9 et 10. Et comme on n'a rien devant nous, nous n'avons rien devant nous,
Donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre le 10. Ce qui nous donne le résultat de 1018. OK ? Allez. On efface. Vous pouvez toujours faire pause pour voir l'exercice et le résultat. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple qui va faire une centaine plus une dizaine. On va faire, le professeur va vous donner 91 ou 91 plus 436. Plus 436 égale. Première chose, on est bien dans une addition. Le professeur nous demande de faire une addition, ok? On n'est pas dans le moins ou dans le plus. Première chose, addition. Alors, on va mettre notre premier nombre qui est 91. Voilà. Là, on voit qu'il y a deux nombres. Et là, on voit qu'il y en a trois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les aligner. On va mettre le 6 là, le 3 là et le 4 là. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait 0. On marque notre addition et on y va. 6 plus 1. Là, je vais vous le faire plus vite parce que ça va très vite en fait un calcul. 6 plus 1, 7. 9, on fait les points 10, 11, 12. 12. Ah, qu'est-ce que je fais? Je mets mon 12? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose devant. Il y a un chiffre devant. Donc, on ne peut pas mettre le 12. On va mettre un 2. Et le 1 du 12, on va le reporter ici, sur la troisième colonne. Ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Et on a notre résultat. 527. 91 plus 436 égale 527. Alors, je vous mettrai des fiches d'exercice dans le vidéo, d'accord? Comme ça, vous pouvez vous exercer. Mais c'est en s'exerçant qu'on arrive, d'accord? Allez, bonne chance. Rebonjour. Alors, mathématiques, opération addition. Nous avions vu dans la séance précédente les additions avec deux nombres, horizontal ou vertical. Et n'oublions pas que pour l'addition, je vais prendre une fiche de couleur, une craie de couleur, le signe c'est le plus. Voilà. Sitôt que vous avez un plus, c'est une addition. Alors on dit, les Espagnols diraient, on porte quelque chose en plus sur le dos. 3 plus 2. Voilà, c'est une belle manière de dire. Alors, l'opération en addition avec 3 nombres. On va prendre un exemple. Alors, si le professeur vous dit 6 plus 2 plus 4, voilà. Alors, première chose qu'on fait, on repère que c'est des plus. Voilà. Parce que lorsqu'on est plus grand, on aura parfois un plus. Et puis, on va mettre un moins aussi. Donc, attention au petit piège. On regarde toujours. Première chose à faire, on répond à ce qu'on nous demande. On ne répond pas à ce qu'on pense ou ce qu'on veut. En mathématiques, on répond à ce qu'on nous demande. Donc, un plus et un plus. 6 plus 2 plus 4. Alors, je fais à la verticale 6, 2, 4. Voilà. Sur la petite feuille de brouillon, si vous voulez. Je sais qu'il y a un plus et il y a un plus. Et je vais faire mon astuce. 6, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc, j'ai pris mon 6, j'ai pris 2 points ou 2 et j'ai pris 1, 2, 3, 4 points ou 4. Donc, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et quand vous êtes sur votre papier, vous faites très vite comme ça. C'est comme si vous aviez une petite calculette. Alors, je vais en faire un autre pour vous. 2 plus 7 plus 3. 2, 7. 3 égale plus, plus, addition, addition, d'accord? Donc, on va faire 2, 7, 3. Alors là, je vais effacer pour que vous voyez plus clair. Addition avec 3 nombres. On met les petits plus, si on a envie ou pas, mais
mieux vaut. Voilà. En fait, quand vous mettez les choses très précisément, ce n'est pas aux autres que vous aidez, c'est à vous-même. Donc, on va prendre le plus gros, 7, d'accord? On part de là, 7. On prend le dessin, ici, on a 2. Et là, j'en mets 3. 1, 2, 3. Ça fera 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et la réponse est aussi 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, là, au départ, c'est une astuce. Mais vous verrez que quand vous commencez à connaître cette astuce et à jouer avec, eh bien, les mathématiques de base ne seront plus un problème pour vous maintenant, mais surtout pour après. Parce qu'un chiffre reste un chiffre. Donc, prenez-le comme un dessin, amusez-vous, et voilà. La leçon 2 est terminée. À plus. Bonjour. Remama. Alors voilà, donc je vous souhaite toujours des bonnes vacances puisque vous êtes encore en vacances, mais on va commencer à travailler pour la rentrée des classes. Alors là, je vais m'occuper des opérations pour les petits ou pour les plus grands qui ne savent pas bien calculer. Et surtout, je vais vous trouver des astuces. Astuces pour aller vite. Parce qu'en fait, les mathématiques, c'est très abstrait. Alors, nous commençons. Alors, j'ai trouvé mon idée en Espagne cette fois-ci. Comme quoi, le voyage... Alors, dans les opérations à deux nombres, un nombre, deux nombres, un nombre, deux nombres, quand le professeur vous donne un exercice, toujours, toujours, toujours d'abord savoir s'il s'agit d'une multiplication, d'une division, d'une multiplication ou d'une soustraction. Ça, déjà, c'est la première question que vous devez vous poser. De quoi s'agit-il, que ce soit en français ou en mathématiques? Là, il s'agit d'une addition. On additionne. On donne quelque chose en plus. D'accord? Donc, là, on va faire avec 2 plus 1. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que je n'en ai pas besoin avec les chiffres. 2 plus 1 égale... Alors, vous l'avez à l'horizontale et vous l'avez à la verticale. Et moi, en fait, quand j'étais petite, j'avais une astuce. Quand j'étais devant un chiffre comme ça, je prenais le premier, je me faisais le plus gros, 2. Et en fait, ici, je me disais... Plus 1, ça fait 3. 2 plus 1 égale 3. 2 plus 1 égale 3. Pour mieux comprendre l'astuce. Alors, 4 plus 3. Voilà comment je faisais. 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et puis je me basais sur le 3. Je faisais 4 et je prenais des points au 3. Parce qu'en fait, le chiffre est un dessin. Retenez que le chiffre est un dessin et amusez-vous. 4 plus 3, ça fait 4, 5, 6, 7. Voilà, je prenais en fait les points du dessin. 4, 5, 6, 7. Donc en fait, je ne devais pas dans ma tête essayer de trouver le chiffre. Je l'avais tout de suite. Alors, on va faire 5 plus 2. Ok ? Donc, je prenais mon 5, 5 plus 6 et 7. Je prenais en fait les extrémités, voilà, comme dans un dessin. Ça, ce sont les additions, les opérations addition à deux chiffres. On va prendre un deuxième, 7 plus 4. Voilà, on met bien addition, addition, addition. Donc, le dessin, jouer à dessiner 7 plus 4, par contre, bien écrire les chiffres, hein. Le nombre, pardon. 7 plus 4, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai ma réponse. Alors, je ne choisis pas le petit point là, ce n'est pas nécessaire. Je me dis 4 points, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai ma réponse. C'est aussi simple que ça. Allez, on joue, ok? Travaillez les deux nombres. Je répète encore une dernière fois. 4 plus 3, j'ai mon addition. Je sais que c'est un plus. Plus, je additionne. Addition, on va vers quelque chose en plus. Donc, 4 plus, je fais mon petit dessin, je fais mon 3. Et je me dis, oh, je vais prendre 3 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bonne fin de vacances, mais allez-y.
devez avoir des bons résultats pour vous-même.